Hello tout le monde, c'est Elnora 22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. De l'air frais. Nous a sauvés. Il s'est évanoui. Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Crois-moi. Comment est la vue ? C'est beau. À quoi tu penses ? Tu crois que je suis différent ? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim ? Hein ? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens différent. Tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai ? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. J'espère que la Kuna a sombré sous les eaux. Chasse tout ça de ton esprit. C'est fini. Salut. Bien dormi ? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ma mère, elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh, les gens changent. Je pourrais dormir des semaines. Je rêve d'un bain aussi. Hé hey. Oh, hé hey. Comment tu te sens ? Toi d'abord. C'est comme après un rêve étrange, un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous ? Eh bien, je dirais que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors, oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés.
Amicia, viens voir. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va bien? Qui sait? Et si on lui demandait directement? D'accord. Tu es vivant? À ton avis? Les morts, ça parle pas. Bien fait. Et... je suis désolé pour... mais... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil? Me le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé hey, un bateau! Oh non! Oh non, c'est le comte! Il est en train de nous rattraper! Tu vois, c'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décides quand elle s'arrête. Non, non, c'est pas possible! Il va à l'intérieur, Hugo. La grande voile! Tu seras à l'abri. Reste à la barre! On va hisser la voile! Amicia, par ici, avec moi! J'ai les autres! Ils s'en sortiront. Reste dans la cabine, quoi. Occupe-toi de la corde, de l'autre côté! Allez, plus vite! Ce salaud veut pas lâcher le morceau! Il faut les distancer! S'ils nous abordent, c'est fait! Viens! Ils continuent de gagner du terrain! Oh non, non! Qu'est-ce qu'on fait? On met la voile dans le sens du vent! On a besoin d'un meilleur angle! Je vais te donner du mou pendant que tu tires vers toi! Oui! On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud! Aucune chance! Ça marche! Prends de la vitesse! Mais ça ne suffira pas! On ils arrivent! On est chargés! Jetez de la cargaison à l'eau! Tout de suite! Donne-moi un coup de main, Amicia! J'arrive! Cargaison, cargaison! On est mort? Qu'est-ce on est mort? Oh non! Ils sont passés par Tibor! Lève-toi, Amicia! Lucas! Sophia! Non! Venez, je vais vous tailler en pièces! Ils sont trop nombreux, Arnaud! À nous deux, c'est jouable! J'arrive. Deux contre un. C'est pas loyal, ça. Ça fait quoi de voir tes hommes mourir, Victor? Concentrez-vous sur elle. On doit tenir. Je te laisse les archers. T'en fais pas. Je me reposerai pas avant d'avoir tué ce salaud. Venez. Venez tous. Je danserai sur vos cadavres. Le bateau est foutu, Arnaud! On prendra le lèvre! T'auras jamais le garçon! Tu m'entends? Notre guerre pour demain! Il n'y aura pas de demain! Pour personne! Oh, non! On peut y arriver!
tuer. Hugo, viens avec moi. Hugo, viens ici! Oh, désolé, petit. Les rats ne t'aideront pas ici. Non! Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Le tuer? C'est le fils d'Emily! Mon fils! C'est un dieu. C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily. Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre, que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. Oh non, 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 non! Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu me dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le! Maudit, espèce de sale porc! Chut! Ne crie pas. Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. Hugo! Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Le comte sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse souffrir encore plus. Partons. Sophia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Serre les dents. Ah, bon sang. Je sais. Accroche-toi. Ça fera vite effet. Le comte, il a dit quelque chose? Tu lui as brisé le cœur et maintenant il veut la guerre. Il compte utiliser ton frère pour conquérir le monde. Il ne restera plus rien à conquérir. Je sais. Alors, niveau collectif, donc on a obtenu tous les coffres, toutes les plumes et tous les souvenirs. Il nous reste une fleur. Et comme je l'ai dit dans un chapitre précédent, je pense pas qu'on trouve la fleur ici. Mais plus à la fin de l'aventure comme pour clore. Oui, mais ça va. Le garçon, c'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Oh, je suis si heureuse qu'ils soient en vie. Ils seront contents de te voir. Par ici. Viens, doucement. Ne va pas rouvrir cette blessure. Oui. Je crois que ta potion commence à agir. Quand je pense que j'aurais pu tuer cette ordure de comte. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arno. Il est foutu. Oh, waouh. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. C'est la mer qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends? Concentre-toi sur le plus important avant de le perdre.
parles comme un vrai chevalier, Arnaud. Oh non. Non. C'est pas vrai. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voit ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Ordure! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi un peu, tête de mule. Pourquoi? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance? Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Ah non, ça j'aime pas ça. Tu es la fille. Ah, il peut pas avancer? Oh bah si j'ai un bug. Ah, c'est passé un truc avec ma manette. Ah mais c'est derrière. Je peux plus le... Il est où son truc?
crois morte. Il s'est livré à la Macula. Marseille. T'as amené l'enfant à Marseille après ce qu'il a fait à ta foutue île ? La ferme ! Je ferai le nécessaire. Ouvrez les yeux ! C'est trop tard ! Maintenant, tout le monde est condamné et il... Arno ! On doit partir, vite ! Vous ne partirez nulle part ! Ah ! C'est quoi cette saloperie ? De la sorcellerie ! Elle nous jette un sort ! Tu es là, vite ! Pauvres idiots ! Affrontez la vérité pour une fois ! C'est votre dernière chance ! Pourquoi reprendre les armes aux côtés de cette sorcière, Arno ? Pour remplir le vide laissé par son fils ! Son sang est sur tes mains ! C'était la guerre ! Tu nous as abandonnés à l'ennemi ! Mais tu peux te racheter ici et maintenant ! Fais preuve de noblesse ! Mets fin à cette folie ! Fais sortir le garçon ! La folie détruit ce monde ! Mais je réglerai ça à ma façon ! Comment êtes-vous toujours en vie ? Vous avez détruit notre île ! Vous nous avez volé les jours radieux ! Vous n'aurez rien du tout si vous ne me rendez pas, mon frère ! J'ai tellement envie de te tuer ! Mais je vais te laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as caché Hugo ! Oh, je vous tuerai tous s'il le faut ! Oh ! Finissons ça ! Tuez la fille ! Elle essaie de tous vous sauver, sale fumier ! Puisse la foi quitter mon bras et nous mener au jour radieux ! Mais Julie est morte ! J'étais la seule grande ! Ah ouais, non mais... Maintenant, c'est tout ce que tu fais faire ! Moi. Je crois que c'est fini pour toi. Nous vivions en paix ! Mais vous avez tout détruit ! Tout ce que je possédais ! Tu as tout détruit toi-même avec tes morceaux ! Vous êtes en train de mourir pour rien ! Mais ouais, parce que là... C'est pas vrai! Bon, à un moment donné, ça commence à m'énerver, là! Par le feu parce que j'ai plus de flèches. Oh purée, c'est deux gros là. Ah ouais, non mais... Ah c'est pas devant, c'est derrière. Oh non ! Attends, comment je peux les zgouiller là ? Mince, 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 mince. Mais c'est que j'ai plus d'endroit où tirer. Alors à moins que je leur balance des... Épée devient trop lourde. Arno ! T'en fais pas pour moi !
tout ira bien. Les intrus là, saisissez-les. Regarde-toi, tu ferais mieux d'abandonner. Arno, tiens bon. Je m'occupe de lui. Fais-leur en parler. Oh mince. Évidemment, j'ai plus de peau. Hein. Pas feu. Bon, moi j'ai quasi plus rien, alors c'est génial. Flash non plus. Et moi j'ai plus de peau, c'est ça mon problème. Oh purée. Bon, alors là, c'est problématique. Plus de peau, je peux pas lui foutre le feu. Oh voilà, enfin. Trop vieux pour te battre. Mais toi, tu n'es qu'un chien trop stupide. Amicia, à toi. C'est terminé. À toi, maintenant. Qu'est-ce que je par chance. Arrête de beugler. Pardon, je... Non, pas lui. L'heure est venue. Et tu m'as permis de finir en beauté. C'est un bon petit gars. Et toi? Je sais. Oh non! Oh non!
Ça tuera le soleil. La nébula. Joli coup. Vieil imbécile. On te doit tous beaucoup. Je suis trop triste. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Il a rendu sa sentence. Tu crois qu'on a encore le temps? Quelle importance? Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Combien de temps jusqu'à Marseille? Pas tant que ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien? Non, j'aurais pu... Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Moi non plus! Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort, tu comptes? Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo. C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant? Il y aura des signes. J'espère. Waouh! Ce genre de signe? Oui, c'est lui! Mais ce n'est pas de très bon augure. C'est quoi ce bruit? C'est... Ça vient de la ville. Ça vient du sol. On la trouve et on file. Courez! Il s'est passé une chose terrible en ville. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fuyez dans les collines. Non! Non, vers la mer. Trouvons une barque. C'est quoi ces secousses? Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Marseille est perdue. C'est... C'est le choix ultime de la Macula. Maman, nous sommes tous. Il faut faire demi-tour. Il faut retrouver maman. Lève-toi, je t'en supplie, lève-toi. Je peux pas, ma jambe. Il le faut. On a besoin de plus de monde. T'es sûr que ça tiendra? Marseille. Ils sont en train de barricader la porte. Pourquoi? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Mais les gens encore à l'intérieur! Ils sont déjà morts! Continue! Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez, on a ce canon! Tu sais t'en servir? Mais j'en sais rien! Attends, tu pousses là. Ça doit être ça. J'ai compris, je crois. Alors vas-y! Oui, le comte a récupéré des chariots de l'ordre. Et donc on va au-delà de ces murs? N'y pense pas pour le moment. Allons-y, Sophia. C'est reparti. Allumez le feu. Ces secousses ne viennent pas du sol. Non, elles viennent des remparts. On dirait... des battements. Son cœur les commande. Tu imagines combien elles sont? Alors c'est comme ça que ça commence. Quoi? Notre châtiment. Woo!
purée. Echo. Mais comment elle fait pour rester toujours debout, quoi? C'est incroyable. Sophia! Par ici! Est-ce que ça va? À ton avis. On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant, cette saison. Allons retrouver mon charmant. Frère. Bon. Ok, fin du chapitre 15. En tout cas, merci d'avoir été présent. Je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de votre youtubeuse préférée, de mettre également un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, sur Twitter. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. La fin, peut-être, hein, de Amicia et d'Hugo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.